Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième panel du jour. Donc aujourd'hui, c'est un panel qui est sponsorisé par Broadpeak et Viaccess Orca. Donc au thème du jour, nous allons parler de l'évolution des réseaux satellites et TNT sur la région, des nouveaux services live OTT et multiscreen qui sont au cœur des problématiques de la télévision actuelle. Et nous verrons quelles perspectives ouvrent ces deux dynamiques de développement. C'est un panel qui est axé sur l'innovation. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous Saifullah Ikone. Vous êtes le directeur marketing groupe du télédiffuseur public de la Côte d'Ivoire, RTI, et directeur de RTI Digital, qui est la branche du réseau qui est dédiée au développement des initiatives online. Nous avons Bonjour aussi Marie, avec nous. bonjour à tous. Bonjour. Nous avons aussi avec nous Alioune Badara Ndoye. Vous êtes le directeur technique du groupe TDS, l'opérateur de diffusion du Sénégal, créé à l'occasion du basculement en cours vers la TNT. Et nous avons également Xavier Leclerc. Vous êtes le vice-président, pardon, du développement commercial chez Broadpeak. À Broadpeak, vous développez des solutions vidéo OTT avec ABR et Multiscreen. Nous y reviendrons plus en détail plus tard. Et vous développez aussi des technologies CDN et des technologies de cache locaux. Enfin, notre dernier invité est Laurent Baucher. Vous êtes le directeur commercial Afrique de Viaccess Orca, une filiale de Orange qui fournit, entre autres, une suite de produits vidéo qui inclut sécurité, plateforme de services et player vidéo. Donc, vos solutions sont déployées et se développent déjà sur les marchés d'Orange en Afrique. Donc, avant de commencer la conversation, je voulais partager avec vous quelques chiffres issus des recherches de Dataxis pour planter entre guillemets le décor sur la consommation de la télévision en Afrique aujourd'hui. Donc, les types d'accès à la télévision en Afrique francophone qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un marché principalement satellitaire en 2020, avec environ 4,3 millions de foyers satellites gratuits et près de 6 millions de foyers satellites payants. Les infrastructures TNT que nous avons évoquées au panel précédent se développent en parallèle, avec 2,6 millions de foyers dont la principale réception est la TNT à la fin 2020, contre plus de 6 millions attendus en 2025, selon nos projections. Donc, en termes d'usage, pouvez-vous nous dire quelles sont les particularités des réseaux de broadcast que je viens d'évoquer? Donc, dans la consommation vidéo et le public, en particulier les millennials, pardon. Saifoulaye, est-ce que vous voulez commencer? Vous avez le micro, coupé. Pardon, pardon. Ok, oui, effectivement, Marie. Ce que je pourrais ajouter à ces chiffres-là, c'est que pour prendre le cas de la Côte d'Ivoire, bon, il y a 26 millions d'habitants à peu près, selon les données de 2020 pour We Are Social, 34,12 millions de connexions au mobile et 12,20% environ de millions de connexions à Internet. Donc, du coup, on se rend compte que sur notre population, en tout cas pour faire un focus sur la Côte d'Ivoire, il y a eu une véritable croissance ces 5 dernières années-là de personnes qui sont connectées sur le mobile et qui ont appris, on va dire pour certains, qui ont fait le gap directement de la fracture numérique pour apprendre directement à utiliser l'Internet sur le mobile plutôt que comme on l'a fait de manière empirique, peut-être Laurent et moi, sur un ordinateur normal, ce qui était de l'informatique. Donc, ça ouvre un champ de possibles vraiment extrêmement, extrêmement fort parce que ces personnes-là, y compris les millennials, y compris les personnes, on va dire quoi, les clients à évaluer, enfin toute la population, on va dire, au niveau de la Côte d'Ivoire, pour ce marché que je connais un peu plus, a de véritables besoins et une véritable sophistication en termes de besoins, puisque à partir du moment où ils ont accès aux plateformes, ils sont confrontés à toutes ces plateformes, je veux dire, que ce soit YouTube, que ce soit Netflix, pour ne pas les citer, où on a des produits qui sont bien finis et qui sont prêts à la consommation. Donc, du coup, ça met une pression dingue pour les opérateurs que nous sommes, afin de pouvoir offrir un minimum de qualité de service dessus. Donc, ce que je peux dire pour répondre à la question, c'est que les besoins sont complexes et il y a des similitudes entre les marchés africains, les marchés européens et les marchés américains. Voilà. D'accord.
Au niveau des réseaux, donc on est encore sur une consommation télévisuelle, comme on l'a vu, principalement broadcast, donc sur les réseaux traditionnels. À Youn, est-ce que vous pouvez nous faire part des particularités observées au Sénégal? Et bonjour, oui, bonjour à tout le monde. Je crois que le cas du Sénégal n'est pas si particulier que ça. Nous, nous concernant pour TEDES, par exemple, nous avons hérité de deux infrastructures de diffusion. L'infrastructure de diffusion de l'opérateur traditionnel qui est la radio-télévision sénégalaise, en plus de l'infrastructure mise en place par le partenaire technique qui avait la concession au moment de faire le basculement de l'analogique au numérique. Aujourd'hui, c'est vrai, hein, la réception se fait beaucoup plus en RCN. Donc, c'est là que nous avons une couverture TNT qui tourne autour de 80% du territoire national, avec une diffusion sur 19 à 20 sites qui sont aujourd'hui opérationnels, ce qui représente en moyenne 90% de la couverture démographique. Mais à côté, nous avons aussi une bonne réception pour ce qui est de la DTH. Parce que traditionnellement, les télés étaient déjà en DTH. Nous sommes venus pour faire une agrégation, combiner le tout et essayer de voir dans quelle mesure on peut mettre tout le monde sur le même segment. Donc, du coup, on tourne à plus de 40% en termes de réception satellitaire, ce qui nous permet quand même d'avoir des politiques stratégiques pour affiner quand même notre offre dans ce sens, qui est de combiner la TNT à la DTH. D'accord, merci. Laurent, je vous laisse la parole également sur cette question des particularités des réseaux. Oui, bonjour Marie, bonjour à tous. Ce que l'on peut dire tout d'abord sur la particularité des réseaux broadcast, c'est que le satellite est encore une offre premium avec des couvertures multi-pays, des audiences plus larges, et c'est là que l'on trouve notamment le football. En ce qui concerne la TNT, donc la télévision numérique terrestre, le déploiement a commencé il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, avec de grandes disparités d'un pays à l'autre, et le processus n'est toujours pas terminé. L'objectif était, et il est toujours aujourd'hui inscrit dans le process du switch off de l'analogique, en amenant plein d'avantages hein, liés au digital, bien entendu. Donc c'était comme plus de chaînes, une meilleure qualité d'image, des coûts d'exploitation inférieurs. Seulement, voilà, après 10 années, il s'est passé beaucoup de choses. L'OTT est apparu, plus de programmes sont disponibles, les téléspectateurs de la TNT deviennent plus exigeants, hein, comme ça a été dit. Et c'est tout à fait naturel. Donc, bien évidemment, dans ce contexte, les opérateurs TNT doivent eux aussi évoluer, s'adapter en enrichissant leur offre. Et une solution de type OTT sur réseau broadcast, hein, dont on parle aujourd'hui, en est une excellente illustration. Je dirais même d'autant plus que les réseaux data qui permettent ces nouveaux services ne sont pas encore pleinement développés à ce jour, sur le continent africain. Alors justement, en parallèle du développement de ces réseaux broadcast, la connectivité est en croissance, il faut le noter, avec plus d'accès et une meilleure qualité d'accès. En termes de fixe, connexion fixe, on compte 1,3 million de lignes raccordées, dont 36% de fibres optiques. Cela représente, pardon, moins de 2% des foyers raccordés. En mobile, on compte 108 millions de connexions Internet en 2020, donc à l'échelle de la région Afrique francophone, soit une pénétration sur la population de 30%. 15% de ces connexions, à noter, sont déjà sur les réseaux 4G. On voit que l'Internet est donc principalement mobile, reste cantonné cependant aux zones urbaines. Elle permet néanmoins l'arrivée embryonnaire que nous avons évoquée et sur laquelle nous allons revenir, mais l'arrivée embryonnaire des services de streaming payants. Donc, on compte 150 000 abonnements en SVOD à la fin 2020 et près de 400% de croissance est attendue sur la période 2020-2025. Donc, cette croissance impressionnante sera permise par l'amélioration de la connectivité et l'attrait croissant des services en ligne. Donc, on peut ajouter également 80 000 abonnements à des services linéaires de télévision en ligne. Et je donne ce chiffre parce que c'est l'OTT Live qui va principalement nous intéresser aujourd'hui dans toutes et toutes les problématiques qu'il soulève. Donc, ma première question pour Saifoulay, quelles évolutions notables avez-vous remarquées dans les usages télévisuels en tant que diffuseur public?
le micro, hop là, c'est bon. Ça. Ben, incontestablement, on a remarqué une complémentaire, bon, d'abord une augmentation de la consommation des contenus sur le digital. Et on s'est rendu compte également aussi qu'il y a incontestablement une complémentarité de la boucle, enfin, du fameux cercle vertueux entre le linéaire et le digital. Donc, ça a ouvert un champ de possibles vraiment assez intéressant et ça a montré qu'en fait, on avait un fort potentiel en fait avec tout ce qui était diffusion linéaire à pouvoir continuer sur le digital de manière à ce que ce soit pour le pour la catch-up ou pour la on va dire pour l'avant-diffusion parce que ça aussi c'est un élément sur lequel on a pas mal développé aussi on avait vraiment de la matière à pouvoir engager nos cibles et engager du conversationnel afin de pouvoir avoir un maximum de personnes connectées que ce soit pour les lives que ce soit pour les replays ou que ce soit pour échanger sur les sujets qui sont relatifs au contenu qu'on diffuse. Donc, un des éléments aussi qu'on a remarqué par rapport à ces besoins-là, c'est que le plus on allait vers nos cibles pour pouvoir donner de la diffusion live parallèlement à la diffusion linéaire sur les réseaux sociaux, le plus on engageait du conversationnel qui nous permettait d'avoir des retours directement sur la qualité des produits ou bien sur l'éditorial qu'on avait décidé de pouvoir proposer aux clients. Donc, pour répondre à votre question, ça a ouvert un champ de possibles assez intéressant et puis ça nous a permis de pouvoir, ben, dire quoi, améliorer un peu notre offre en fait. D'accord. Et alors, Xavier, à Outpeak, vous travaillez beaucoup sur l'OTT. Qu'est-ce que vous pouvez partager avec l'audience sur les évolutions que vous avez notées et remarquées dans les usages? Oui, bonjour à tous. Alors, il y a une tendance forte en ce moment, hein, c'est l'évolution de la distribution de vidéos sur IP, hein, donc ce qu'on appelle le changement un petit peu du broadcast vers l'OTT, donc une distribution de contenu de plus en plus vers les réseaux IP. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on s'éloigne un peu des set-top box un peu classiques, des réseaux de distribution classiques type broadcast pour justement faire des offres multi-écran. Voilà, les offres multi-écran, c'est là où on va trouver justement ben, des terminaux mobiles, hein, des téléphones, des tablettes qui vont être utilisés pour consommer la vidéo. Et ce qui est très intéressant ici dans la conversation autour de l'Afrique francophone, c'est qu'on trouve justement une population jeune qui consomme cette vidéo sur ces terminaux mobiles, une population en fait qui a pris l'habitude d'utiliser les YouTube, les Facebook pour consommer cette vidéo, alors en mode un peu OTT, hein, comme on dit, over the top, au-dessus des réseaux managés classiques. Mais qui en fait s'éloigne un peu de la télévision traditionnelle du salon et qui au contraire bah, utilise ces terminaux mobiles pour consommer la vidéo. Et donc, quand on prend un peu la démographie et quand on voit la proportion de cette population jeune en Afrique, on voit qu'il y a une demande ici qui est en train d'émerger, de se renforcer, je pense, dans la région pour justement des offres OTT. Donc, la question, je pense, ici, c'est comment est-ce qu'on peut fournir ces offres OTT à travers les réseaux qui sont déjà en place et à travers les limitations qu'on a déjà décrites précédemment sur ces réseaux. Je pense que voilà, la question est posée. Alors effectivement, les télédiffuseurs, comme l'a dit Saifoulay, se doivent de réagir face à la demande d'OTT. Comment vous voyez l'avenir des chaînes, des opérateurs de diffusion dans ce contexte et quelles sont les solutions possibles? Donc moi, je voulais poser la question un peu plus directe, comme Xavier l'a déjà abordé, la question des synergies sur les réseaux de distribution. Donc, Alioune, en tant qu'opérateur de diffusion, qu'est-ce que vous voyez comme opportunité sur l'évolution des réseaux vers l'OTT? Oui, merci Marie. Je crois que la tendance actuelle est que les opérateurs de télédiffusion ne sont plus seulement des fournisseurs d'infrastructures. Hein. Il s'agit maintenant de plus en plus d'entreprises médias qui utilisent leur propre infrastructure pour faire de la distribution de contenu de qualité. Et je crois que il y a des opportunités à saisir à travers la technologie OTT et leur expérience quand même technique dans le domaine et la bonne maîtrise de l'environnement, du paysage médiatique devrait quand même nous permettre d'avoir de la proactivité dans la gestion de ces innovations qui devraient fondamentalement passer par les OTT. Donc, depuis l'arrivée de l'Internet et du digital, nous avons constaté qu'il y a un bouleversement du paysage audiovisuel. Et il nous faut en toute intelligence avoir la scalabilité quand même
de nous adapter aux nouveaux défis pour répondre quand même aux besoins des consommateurs et être à l'avant-garde de ces progrès-là. Merci. Saifoulay, sur la télévision oui. Live et l'OTT, quelles sont les problématiques et quelles sont les opportunités sur les synergies? Bon, sur le live et l'OTT, ce que je peux dire en général, c'est que on a des problèmes qu'on peut rencontrer sont essentiellement sur les débits hein, et la qualité du réseau pour pouvoir y avoir accès. Que ce soit sur les plateformes du groupe RTI, comme l'application mobile, sur les lives qu'on fait sur les réseaux sociaux, ou bien même pour d'autres types de besoins comme les opérateurs et les enablers comme YouTube ou comme les autres, à partir du moment où la connexion est trop chère ou la connexion n'est pas assez fluide, il peut y avoir une expérience utilisateur qui est assez négative et qui est assez, on va dire, qui n'est pas agréable en fait. Donc, du coup, on est obligé de pouvoir être sûr de l'encodage qu'on propose à nos clients. Et donc, en général, pour cela, toute la partie innovation et développement, on travaille en bonne synergie avec la DSI chez nous, afin de pouvoir avoir des solutions qui s'adaptent, on va dire, aux différents débits qui sont proposés. Ensuite, le second point, c'est de pouvoir aussi, on a tenté une expérience il y a quelques années maintenant avec un opérateur, pour ne pas le nommer, qui s'appelle Orange, où on a proposé des passes qui permettaient de pouvoir consommer sans s'occuper de son forfait. Donc, c'était des bundles mobiles et digitales qui permettaient de pouvoir, une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez vous connecter pour une heure, pour une journée, pour… voilà. Et ça, en général, on a vu que les populations réagissaient de façon assez positive. Et je pense que ça, c'est un levier qui va être vraiment intéressant pour l'avenir afin de pouvoir utiliser ce genre de bundle-là et proposer de ne pas s'inquiéter en fait pour la consommation de mobile. Donc, c'est un secteur qui est en pleine évolution où on a essayé plusieurs modèles économiques qui nous ont donné satisfaction. Donc, on est ouvert, on va dire, à ce genre de choses-là pour récupérer le mot dont Laurent parlait pour le multi-écran en fait. Ce n'est pas seulement le mobile, mais on a aussi la télévision connectée. Enfin, on a tout un tas de possibles sur lesquels on travaille également. D'accord. Alors, justement, sur ces points-là, je voulais interpeller Xavier. Donc, vous êtes spécialiste de l'ABR et de l'OTT. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des opportunités, des solutions possibles? Alors, l'idée ici, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir utiliser les réseaux des télédiffuseurs, hein, des réseaux comme RTI ou TDS, pour pouvoir justement livrer ces contenus live OTT multi-écran. Donc, la solution qu'on propose ici, elle s'appuie en fait sur l'idée d'avoir des contenus qui sont déjà préparés pour être consommés sur ces multi-écrans. Donc, des contenus qui vont être au format Adaptive Bitrate, hein, ABR. Donc, ça va être des choses comme du format HLS pour les devices Apple ou du format DASH pour les autres terminaux. Et ces contenus, en fait, on va les préparer, on va pouvoir les envoyer à travers ce réseau de télédiffusion grâce à la technologie qu'on appelle Multicast ABR. Le multicast ABR, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'idée de reprendre donc ces flux, ces contenus qui sont déjà pré-packagés pour la distribution, les mettre dans ce qu'on appelle un flux multicast, hein, qui est traditionnellement, envoyé sur des réseaux IP, donc ça peut être des réseaux fixes, hein, par exemple. Mais cette fois-ci, faire transiter en fait ce flux multicast à travers les réseaux des télédiffuseurs pour une distribution en fait de contenu au format ABR qui arrive directement chez l'abonné, prêt à être consommé. Donc il n'y a pas de transformation, si vous voulez, qui s'opère côté abonné, tout est fait en amont et les flux qui sont donc transportés sont prêts à la distribution. Oui, d'accord, donc c'est très bien expliqué, justement, on en avait bien parlé. Donc le multicast ABR est une nouvelle solution. Dans cette solution, donc vous travaillez avec d'autres acteurs pour assurer une chaîne de valeur de A à Z. Viaccess Orca est impliqué là-dedans. Donc, Laurent, je voulais vous demander dans cette solution, que va apporter Viaccess Orca? Oui, alors, Viaccess Orca est une société dont l'expertise est basée notamment sur la distribution du contenu, sur sa monétisation, sur sa protection. Donc, grâce à la technologie Multicast ABR, hein, comme décrite par Xavier à l'instant, nous allons être en mesure de proposer une expérience utilisateur et un service très proche aujourd'hui de ce que l'on peut proposer sur un réseau data connecté, hein, que ce soit un réseau fixe ou mobile.
Donc, certains services peuvent nécessiter une connexion, mais ce n'est pas un impératif. Concrètement, nous allons récupérer les flux préparés par Broadpeak et mis au bon format, et nous allons les délivrer sur un ensemble de terminaux qui sont dans ce cas précis, plus spécifiquement des écrans smartphones ou des tablettes que l'on peut trouver sur le marché. Donc, ViaccessorK propose une application qui est disponible sur les différents stores, personnalisable bien entendu, qui est téléchargeable et qui va permettre de regarder tout le contenu mis à disposition par le télédiffuseur. Alors, bien évidemment, tout cela repose sur un certain nombre de briques technologiques pour rendre l'expérience utilisateur la plus riche possible. Donc, sans entrer trop dans les détails, c'est pas trop le but ici, mais cela va comprendre la présentation des programmes, la personnalisation du contenu, un outil de recommandation, une optimisation de la qualité de la vidéo, notamment grâce à notre player vidéo, qui est une brique essentielle dans la solution globale. Il y a également d'autres aspects qui sont tout aussi importants, voire même essentiels, comme la sécurisation et la protection des contenus, car il est clair que pour qu'un opérateur puisse proposer à ses clients du contenu premium, que ce soit des films ou du contenu sportif de qualité, du football par exemple, ou autre, il est indispensable de pouvoir garantir aux ayants droit que leur contenu sera bien protégé, d'autant plus en Afrique, où sur certaines zones, le piratage est très actif. Donc pour cela, nous avons notre propre DRM, VODRM, mais nous sommes bien évidemment compatibles avec toutes les DRM du marché, ou tout du moins les plus utilisées. Et enfin, c'est un point essentiel, c'est que la plateforme de ViaccessorK permet aux télédiffuseurs de construire différentes offres, payantes, gratuites, un mix des deux, et bien entendu de les monétiser. Donc tous les modes de commercialisation sont disponibles, comme le prépayé, les modes d'abonnement, le paiement à la durée, le paiement par événement, etc. Et tout ceci, bien entendu, ça s'appuie sur les modes de paiement locaux, les plus usuels, comme par exemple les paiements par mobile, qui sont très populaires en Afrique, type Orange Money, je pense que vous connaissez tous. Donc, voilà, pour résumer en deux mots, je peux dire que ViaccessorK dispose de l'expérience OTT de tous les outils pour permettre à un télédiffuseur de mettre en place une offre complète et personnalisée. D'accord. Alors, dans le cas d'un télédiffuseur, puisque c'est là-dessus qu'on finit, quels seraient les bénéfices d'une telle solution, Saiful AI, par exemple? Maintenant que vous avez entendu ça, quelle solution ce serait pour vous? À quelle problématique cela répondrait? Oh, ben, un côté. Alors, je ne sais pas, je vérifie toujours mon micro. Non, je pense que ce que j'ai compris dans l'intervention de Laurent, c'est que leur proposition répond à deux problématiques essentielles pour nous. C'est déjà tout ce qui est protection des contenus. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend effectivement tout ce qui est contenu sportif, aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a une grande inflation, en tout cas en termes de coûts. Et je pense que les opérateurs européens sont très, très au courant de cela également aussi, notamment quand il s'agit de Coupe d'Afrique, de Coupe du Monde, du football. Les ayants droit sont très, 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 très à cheval sur la protection de leur contenu. Et quand on extrapole un peu, que ce soit au-delà du sport, mais pour tout ce qui est contenu de fiction, tout ce qui est partenariat qu'on peut monter avec des grandes chaînes cinéma, si les contenus ne sont pas protégés, il n'y aura pas de confiance, il n'y aura pas d'édition de ces contenus-là sur du mobile. Je regarde, par exemple, quand vous regardez de manière très claire, essayez un jour de faire un enregistrement d'écran avec votre mobile sur une plateforme comme Netflix, vous n'aurez pas d'image. Ça, ce sont des éléments concrets qui montrent bien que ces grandes plateformes-là arrivent à pouvoir protéger ces contenus-là. Donc, ça, cet élément-là, il est clé pour moi. Et puis, deuxièmement, également, aussi en termes d'adaptabilité par rapport à nos cibles, c'est important de pouvoir retrouver cette expérience-là sur le multi-écran et sur, les différents éléments, parce que je crois que c'était... Xavier qui l'avait dit tout à l'heure, nos cibles consomment beaucoup, partout, en tout lieu et en tout moment. Donc, ils ont besoin de flexibilité à ce niveau-là. Et puis, nous, en tant que chaîne groupe, que groupe de médias, on essaie de pouvoir donner des opportunités à ces cibles-là de s'exprimer. Aujourd'hui, n'importe qui peut se proposer de pouvoir émettre sur son mobile, sur son smartphone et de faire des contenus.
Mais à partir du moment où on a un accompagnement un peu plus structuré, cela permet de pouvoir avoir de très, très belles surprises. Mais là, je fais juste un teasing peut-être par rapport au panel précédent où il y a ma collègue de RTI Distribution qui va intervenir et parler de ces problématiques-là. Donc, globalement, par rapport à ce qu'a dit Laurent, nous sommes totalement en phase et je pense que nous avons à peu près les mêmes problématiques et la même vision par rapport à l'avenir. Et alors, à Lyon, d'un point de vue, enfin en tout cas pour un opérateur de réseau de diffusion, quelle valeur ajoutée peut-on attendre d'un tel système qui utiliserait du coup les réseaux TNT pour délivrer l'OTT? Ça, c'est une véritable innovation. Hein. Ça nous permet d'une part non seulement de valoriser nos infrastructures existantes, qui déjà présentent un niveau de couverture assez élevé. Et pour moi, ce serait aussi une façon de combler quand même le déficit en termes de réseau pour les télécoms, afin non seulement d'augmenter le taux de couverture et le niveau de pénétration même de l'Internet à l'intérieur de nos pays. Ceci pourrait fondamentalement impacter les coûts, hein, les coûts et au niveau usager, mais aussi ça nous fait, nous aussi, derrière une politique économique qui nous permettrait quand même d'avoir des relais de croissance. C'est d'avoir des parts de marché supplémentaires en créant de la valeur ajoutée, en créant et en captant même de la valeur ajoutée. Et fondamentalement, je crois que nous qui bénéficions quelque part hein, du fonds de développement du service universel en termes d'appui budgétaire, ce serait quand même un argument de taille quand même pour au moins justifier la pertinence de ces fonds qui nous sont alloués, mais aussi quelque part essayer plus ou moins d'apporter une plus-value aux populations qui aujourd'hui sont dans une dynamique de consommation assez élevée en termes de contenu à travers les OTT. D'accord. Peut-être pour rebondir sur ce que Alune vient de dire et Saifullah juste avant, il y a cette notion aussi, je pense, de qualité qui est importante, cette idée de dire que grâce à la distribution sur ces réseaux de TNT, on va pouvoir arriver avec de la haute qualité, des choses où le débit vidéo sera élevé hein, par rapport au débit qu'on peut avoir parfois sur les réseaux mobiles, par exemple. On arrive aussi avec des expériences où on a zéro rebuffering, hein, donc les streams ne s'arrêtent pas, les streams sont continuent toujours à jouer, on n'a pas de problème de rebuffering. Donc ça, c'est très intéressant, je pense, d'un point de vue qualité. Et après, le pendant aussi, c'est les coûts, hein, tout à fait, les coûts, la baisse des coûts de distribution. On a fait des calculs, par exemple, par rapport à des coûts de CDN, hein, de Content Delivery Network. Si vous livrez vos contenus avec d'autres CDN, très rapidement, dès que vous êtes sur des événements populaires, eh bien, l'utilisation de réseaux de broadcast, hein, type TNT ou satellite, vous permet d'économiser. Donc là, je pense qu'il y a une dynamique qui est aussi intéressante, à la fois qualité et coûts qui sont optimisés. Laurent, est-ce que vous pouvez ajouter aussi quelques mots sur la mise en place de ces stratégies et leurs opportunités? Oui, alors je peux peut-être en complément un petit peu de ce qui a été dit, puisque l'idée c'était peut-être de donner des use cases ou des perspectives pour des offres type OTT over broadcast, on va dire. Donc, il y a un exemple qui est peut-être un petit peu complémentaire, c'est tout ce qui est un peu dans le monde du B2B, la possibilité d'amener une offre multiscreen dans des endroits publics ou privés, d'ailleurs, avec une demande forte pour des services télé personnalisés, dont la problématique aujourd'hui est tout simplement l'absence ou la faible connectivité hein, des réseaux. Donc, nous savons bien que ce genre de situation est par ailleurs assez courante en Afrique. Donc la solution multicast ABR est une réponse parfaite. Je pourrais trouver de nombreux exemples pour illustrer ce cas, mais on peut imaginer des entreprises situées dans des endroits isolés, des complexes miniers, des complexes hôteliers, des hôpitaux, des écoles, etc. Et je pense que nous pourrions trouver même beaucoup d'autres exemples. Alors justement, les marchés visés, donc vous avez évoqué assez rapidement les complexes hôteliers. De manière concrète, qui peut déployer cette solution? Qui pourrait la recevoir? Ou plutôt, dans quel cadre? Quelles sont les opportunités? Donc, Xavier, est-ce que vous pouvez un peu nous donner plus d'aspects sur cette question? Bien sûr. Oui, vous avez en fait, cette technologie, elle est multicast ABR, donc on l'a dit, elle est à travers les différents réseaux. Ici, on est plutôt dans le cadre de la TNT. Elle s'applique aussi, bien sûr, aux satellites, hein, comme Laurent
Laurent l'a expliqué, avec des applications qui peuvent être soit business to business, B2B, ou des applications aussi qui peuvent être plutôt grand public. Donc ici, plutôt B2C, business to consumers. Et je pense ici, il y a une vraie opportunité avec l'Afrique, avec la TNT qui continue d'évoluer. Cette idée de faire une offre, par exemple, grand public, avoir un récepteur TNT à la maison qui va recevoir en fait un flux déjà en ABR, donc ce flux multicast ABR. Ce récepteur peut jouer ce flux en local. Donc on peut connecter sa set-top box directement à un décodeur. Une télévision, connecter ce décodeur à une télévision, et après donc distribuer aussi ce contenu vers les autres terminaux de la maison. Et donc ça c'est vraiment, je pense, une nouvelle application qui, en fonction un petit peu de la maturité de la TNT, peut s'avérer donner un avantage intéressant au moment où le reste un petit peu de l'OTT continue à se structurer en Afrique. Ici, c'est potentiellement, à mon avis, l'opportunité d'amener des services type OTT avant que les restes des réseaux de télécom ne soient en mesure de les apporter. Donc, je pense qu'ici, il y a vraiment des choses intéressantes qui sont vraiment ciblées sur l'Afrique avec ce multicast ABR. Et après, donc, bien sûr, des applications aussi B2B dont Laurent a parlé. On a une application aussi ensemble avec VAAccessOrca, donc ça c'est le cas de Astro en Malaisie, qui justement offre une offre B2B comme ça, donc c'est plutôt de l'hospitalité avec les hôtels, où si vous êtes à l'hôtel et que cet hôtel a souscrit l'offre d'Astro B2B, vous avez accès donc à une cinquantaine de chaînes live directement sur le Wi-Fi de l'hôtel, donc avec votre téléphone ou votre iPad, et c'est livré cette fois-ci par le satellite avec le réseau de broadcast d'Astro. Donc tout ça c'est déployé aujourd'hui, il y a plusieurs applications, je pense aussi avec l'Afrique, avec ces grandes entreprises, on parlait des complexes miniers par exemple, où on a de la main-d'œuvre aussi qui est sur place, qui a besoin un peu de divertissement. On a ici des use cases qui rentrent bien dans le moule du multicast ABR. On a une histoire intéressante ici à montrer, à démontrer. D'accord. Alors, Alioun, vous avez évoqué assez rapidement, je vous redonne la parole pour nous expliquer un petit peu les approches complémentaires que permet cette solution sur votre stratégie ATDS. Oui, d'après ce que j'ai compris, au-delà de l'aspect technico-technologique, je crois que c'est une solution qui présente comme plusieurs avantages. En cela qu'elle représente non seulement une approche complémentaire dans le cadre des services qui sont déjà fournis, non seulement pour l'opérateur, mais au-delà aussi pour les chaînes de télé qui sont les éditeurs, qui sont propriétaires même de contenu. Mais ça nous permet nous aussi de combler plus ou moins en termes de fourniture de services. Là où il n'y a pas nécessité quand même de redonder des investissements en termes d'infrastructure, d'apporter ce type d'innovation, histoire de faire de l'équité territoriale une vraie réalité, vu la pénétration qui est assez déséquilibrée de l'Internet, vu les zones reculées qui sont plus ou moins délaissées au profit des zones urbaines. Pour moi, je crois que en ce sens, ça peut servir quand même de levier pour nous permettre quand même de rétablir les équilibres du point de vue social, mais aussi du point de vue stratégique, en utilisant juste l'existant. Et je crois que nous aussi, nous concernant, en tout cas moi je suis tout à fait ouvert à voir dans quelle mesure, pour le cas du Sénégal, nous on peut être même la locomotive en ces termes pour essayer d'expérimenter, vu que c'est déjà implémenté quelque part, pour nous servir quand même d'approche dans la sous-région comme dans le reste de l'Afrique. Alors, au niveau concret, est-ce que la solution est déjà déployée et prête à se mettre en place, Xavier? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Bien sûr. Oui. Alors, cette solution basée sur le multicast ABR, en fait, elle s'appuie sur plusieurs standards, dont un standard qui était sorti par DVB l'année dernière, donc le standard de DVB MABR, multicast ABR, qui est un standard dans lequel Broadpeak en fait a œuvré aussi pour essayer d'amener l'innovation et rendre l'innovation un peu plus large. Alors, ce standard multicast ABR est existant. C'est la première phase qui a été terminée donc en mars dernier, il y a un an maintenant. On travaille en ce moment sur la deuxième phase, donc ajouter des optimisations dans le multicast ABR. Et je pense que ce qui est vraiment intéressant dans le contexte ici de ce panel, c'est une autre initiative DVB qui s'appelle IP Native,
qui reprend en fait le concept du multicast ABR et qui va justement regarder comment le multicast ABR peut s'appliquer au réseau de broadcast, donc justement au satellite et à la TNT. C'est un sujet qui est assez chaud en ce moment côté DVB. On en parle beaucoup dans la presse DVB, dans les groupes aussi. Il y a un groupe justement technique qui s'est formé à DVB pour arriver à des premières recommandations d'ici la fin de l'année. Donc on est vraiment sur une dynamique de groupe. Ce n'est pas juste une solution Broadpeak et Access Archive. Il y a ici une dynamique de l'industrie et un changement vraiment pour passer vers l'IP, vers des contenus qui sont en ABR et DVB aussi, donc nous aident d'un point de vue standardisation pour ouvrir justement le scope de ces solutions et au final amener des solutions qui vont économiser, qui vont réduire les coûts et qui vont permettre un plus large déploiement de ces technologies ABR vers des réseaux, des populations qui sont potentiellement aujourd'hui exclues de ces technologies. D'accord, merci. Donc, on approche de la fin de ce panel. Je voulais refaire un tour et puis aussi du côté de Saifulay. Donc là, c'est un peu le mot de la fin, mais pour vous, quelles sont les perspectives de développement de l'OTT live sur les réseaux existants? Et puis, quels sont les points stratégiques pour vous à ce niveau-là? Alors, le petit micro. Ouais, Non, les perspectives, elles sont pratiquement, je peux dire, infinies. Hein. Tant qu'il y aura des contenus intéressants, des contenus où les publics africains, puisque c'est ceux auxquels je m'intéresse, pourront se retrouver, l'appétence, elle ne va pas diminuer. Au contraire, elle va aller crescendo. Donc, il y a une véritable opportunité en termes de qualité, déjà, comme il l'a dit là, tout à l'heure, mon ami Xavier, à proposer à nos cibles, mais surtout également aussi de choix en termes de choix éditoriaux et de choix de développement. Donc, on a la responsabilité de pouvoir proposer les bons contenus sur les bons supports, parce qu'aujourd'hui, on a vu que la télévision s'écoute et la radio se regarde et le digital permet de pouvoir engager des discussions avec nos cibles. Donc, ces développements-là, je veux dire, on a une belle opportunité et avec les opérateurs mobiles et avec les opérateurs comme Xavier et Laurent de pouvoir concocter, on va dire, la meilleure possibilité pour nos clients. Et puis surtout, je pense, le premier élément, c'est de continuer à les écouter, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'attendre que les études d'audience soient faites. On a des retours directs lorsqu'on essaie d'écouter un peu les engagements qu'on a sur les cibles. Donc, le meilleur match entre ces deux éléments-là nous permet de pouvoir, on va dire, donner la meilleure expérience possible, parce que tout n'est qu'expérience, en fait. L'expérience digitale n'est qu'une expérience. D'accord. Alors, Alioune, deux mots pour clôturer ce panel sur l'OTT d'un point de vue opérateur. Et ensuite. Merci. Moi, je dirais que, quand même, c'est une nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir avec le multicast ABR, qui d'une part nous permet non seulement de revaloriser nos infrastructures existantes, mais nous donne aussi des opportunités en termes de services à valeur ajoutée, pour nous permettre quand même d'avoir d'autres modèles économiques, parce que la diffusion classique qui est notre cœur de métier, c'est sûr, ne sera plus vue comme avant. Et ce qui nous reste de la TNT, vu de ma fenêtre, c'est juste le upgrade du point de vue qualitatif, ça veut dire essayer de passer l'ensemble de nos chaînes en HD pour une meilleure expérience client, mais aussi essayer de faire de la télévision interactive. Donc, le futur de la télévision va se jouer au niveau des OTT, et je crois que ce qu'on vient de nous présenter, on sera quand même un levier fondamental. Ah, merci. Alors, Xavier, le mot de la fin, je vous laisse la parole. Et ensuite, oui, alors en 30 secondes, je pense que tout a été dit. J'aime beaucoup le tout n'est qu'expérience. Je pense que c'est très important, l'expérience, la qualité de l'expérience. Donc, le multicast ABR, pour nous, le côté Broadpeak, est déployé d'abord pour l'expérience. C'est vrai qu'il y a des économies, des choses intéressantes d'ailleurs, mais c'est d'abord l'expérience. Et après, le dernier mot aussi de Alioune, sur cette fenêtre qui s'ouvre. C'est une fenêtre qui s'ouvre maintenant, c'est-à-dire que les OTT ne sont pas encore là. Il y a une demande qui est un petit peu difficile à laquelle c'est difficile de répondre aujourd'hui. Et je pense que là, les télédiffuseurs ont vraiment une carte à jouer. Donc, la fenêtre s'ouvre maintenant et on est prêt à travailler. On travaille très bien avec Access Orca justement sur le sujet. Et voilà, on est prêt à continuer et à développer ces sujets, bien sûr, en Afrique. Merci. Et Laurent, je vous laisse la parole pour clôturer ce panel.
Oui, bah, je vais essayer de ne pas redire ce qui a été dit. Donc, on a bien compris que l'OTT enfin, était en plein essor et que bon, il y avait des offres qui se multipliaient quand même en Afrique. Et j'ai bien entendu donc Saïfoula et Alioune pour la RTI et TDS, bah, leur intention de ne pas rester en mode contemplatif hein, devant cette évolution et de s'inscrire un petit peu dans cette mutation. Donc, moi, ce qui est important, et je pense sincèrement, c'est que le monde des broadcasters n'est pas exclu hein, de ces opportunités. Grâce à la solution bah, que nous présentons aujourd'hui avec BroadPeak, donc fruit quand même d'une longue coopération hein, sur ces sujets, nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer des services innovants et enrichis aux télédiffuseurs. Et donc, bah, je ne sais pas si je vais dire un dernier mot, je dirais n'hésitez donc pas à nous contacter et merci bien et merci à tous. Merci, merci à tous pour votre partage. Et effectivement, vous pouvez donc contacter les invités d'aujourd'hui, toujours sur Swapcard, en message direct ou organiser des réunions. Merci à tous et à plus tard pour la suite des panels. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.